Hey, salut tout le monde, Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en live pour une nouvelle vidéo. Un petit glitch, donc je vais vous montrer comment faire une roue arrière avec un quad. Vous allez voir, c'est très simple. Donc il vous faut un avion, donc comme ceci avec les ailes un peu plus bas. Donc je vais vous montrer le souci, là je suis resté coincé avec le quad en dessous, en fait je voulais vous le montrer au début de vidéo. Donc je vais avancer l'avion. Voilà, donc ça marche sur tous les consoles. C'est un petit glitch assez fun. Donc il faut aller direction l'aéroport qui se trouve bien sûr ici, que vous connaissez tous l'aéroport. Vous venez derrière ici, vous allez avoir un avion comme ça. Et vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'accélérer trop vite. Mais vous allez voir, vous passez en dessous de l'aile, vous allez voir, ça va bugger. Et vous levez un tout petit peu, et voilà, on part en roue arrière. Voilà, si c'est pas stylé. Voilà comment faire une petite roue arrière avec le quad. Donc, je sais pas si vous connaissez ce glitch. Donc, c'est vraiment assez fun. Donc, je vais vous montrer encore une fois. Donc, voilà, on peut parcourir une distance de fou avec le quad. Donc, vous y allez doucement et après vous accélérez et vous allez voir. Bah, là, je me suis un peu loupé. Mais voilà, vous pouvez remettre la vidéo au début, comme ça vous allez voir comment il faut faire. Vous inquiétez pas. C'est très simple, il vous faut un quad, n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé d'acheter un quad, il y en a aussi sur la plage. Et voilà, vous faites des petites roues arrière avec le quad, c'est vraiment assez fun, je kiffe vraiment. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, donc je vais recommencer et je vais mettre un avion, l'avion un peu plus loin. Hop, je vais mettre l'avion un peu par ici, vous allez voir, comme ça va aller un peu plus loin pour rouler. Sinon, bah, je vais galérer à... sinon je vais parcourir à une grande distance, désolé, chercher en fait ce que je voulais dire. Et en fait bah là on va essayer de parcourir à une plus longue distance. Donc ça marche qu'un seul côté, de l'autre côté je crois que ça marche pas, on va regarder. Ah si, ça marche des deux côtés. Donc voilà, petite roue arrière tranquille avec le quad. En plus celui-là là, je l'ai custom à fond, donc du coup ça va encore plus vite. Donc je vais vous montrer une dernière fois les amis. Donc c'est très simple, vous y allez doucement, super doucement, il faut y aller vraiment doucement. Hop, vous arrivez là, vous commencez à accélérer un peu, le quad il va se lever et vous restez avec la logique de gauche vers le bas. Et comme ça vous pouvez partir en mode roue arrière, tac. C'est vraiment assez fun parce qu'à la base là si je me mets en mode la logique de gauche vers le bas, bah voyez le quad il se lève pas, ça fait rien. C'est juste le personnage, ça bouge un peu mais sans plus. Donc c'est très simple, vous prenez un avion et vous testez le petit glitch. Voilà, et moi je vous le laisse sur les images, j'espère que ce glitch vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et je vous représenterai d'autres vidéos si ça vous plaît. Et dites-moi le en commentaire, partagez cette vidéo à vos amis. Moi je vous dis à très vite, abonnez-vous et piston, salut.